Salam alaikum. Donc, inshallah, on va l'exercice 14 sur les fonctions. Bien. Donc, on va l'abord l'énoncé de l'exercice. Écrire un programme C++ qui définit et utilise une fonction trier, qui trie dans un ordre croissant les éléments d'un tableau d'entier. Tout simplement, si on fait l'exercice, on a un programme, on sait une fonction qui s'appelle trier, sinon que dina trier, on a que les éléments de l'ouah table, ok? Bien, que trier les éléments de l'ouah tableau ordre d'ordre croissant, ok? Yani, ouah trier, bien. Donc, bien sûr, vous faites mon kiff, on a fait de l'exercice, nous allons la page. Bien, donc là, il est simple. Par exemple, on a fait un tableau de 5 éléments, ok, donc T5, il y a 5 éléments, bien. Donc bien sûr, T0 égale à 9, T1 égale à 4, T2 égale à 5, T3 égale à 1, et T4 égale à 2. Bien, donc ce n'est l'idée d'y tout simplement, on sait le premier élément, on fixe, on regarde tous les éléments, ou une fois le cachet, il y a maintenant, on va dire bien sûr, permutation, ok, donc on permettait les deux valeurs, ok, tout simplement, par exemple, 9, on a 4. Oui, 4, ça ramène, donc on a une permutation. Tout simplement. Quand on a 4, on a 9. Ok, quand on a bien sûr 9, ou là, bien sûr 4, on a ici. Ok, donc 4, on a 5, non? 4, on a 1, oui, donc on a une permutation. On a 1, on a 2. 1, on a 2, donc A, bien sûr, ça ramène 2, donc on a 2. Tu as fait? Bien. Donc 9, c'est, on a bien sûr deuxième valeur. Les rayons qu'on fait, bien sûr, 9. Donc, 9, on va faire 5. Oui, 5, bien sûr, ça sera maintenant. Donc, on a des permutations. On va faire 5. Donc, il y a des trahisons, mais pas de 5. Bien. Mais, tout simplement, 5, on va faire quoi la valeur 4? Bien. Donc, je vais dire qu'on a 4, ça sera. Donc, tout simplement, je vais dire 4, on a 5. Oui ou non? Bien. Mais, je vais dire qu'on a 4. Donc, tu trahisons, on a 4. 4, on va faire 2. 2 sera maintenant. Donc, on a la permutation. Tu vas dire 2, on a 4. Quand tu veux qu'on fasse une autre chose. 9, c'est. On a 1, 2, donc la troisième valeur, les 4. 4 on a 9, non. 4 on a 5, non. Donc, on mort, bien sûr. 9, 9 on a bien sûr 5, donc bien sûr, 5 sera 9, donc on a des permutations. Ok? Bien, donc tu me dis qu'on a fait tout simplement, il y a une fixe, une valeur, qu'on a tous les éléments, ou il faut qu'on calme, fait les deux valeurs, qu'on dit la permutation, ok? Par exemple, il y a des mots qui sont le min, donc qu'on dit la permutation, mais le min, tu as fait? Bien. Donc, on dit bien sûr, il y a l'idée d'y en faire de l'exercice. Bien. Donc, le logiciel de C++, parce que tu as bien sûr, à la tarek, la méthode, ok? Bien. Bien, donc, dièse, include iostream, using namespace std, la fonction principale main, et return 0, la fin de la fonction principale main. Bien. Alors, bien sûr, définit bien sûr la fonction d'y aller, les yétri. Donc, bien sûr, la fonction est conduite void. Pourquoi? Parce qu'il y a une délire à la chrédement. Donc, on va faire bien sûr, on va chercher. Les gens, on va juste retourner le résultat. Tu as fait? Bien, donc, du type void. Bien. Il y a une procédure. Ok? Bien. Smith a bien sûr trié. Trié. Bien. Bien sûr, les paramètres. Sinon, on va bien sûr, parce que trié ou un tableau. Tableau ou la taille du tableau. Il y a tout simplement un, par exemple, la table du type d'entier. Soit, on dire étoile T comme ça. Soit tout simplement dire T ou les crochets. Tu as fait? La dèche comme ça ou la dèche étoile. Tu as fait? Bien. Maintenant, bien sûr, la taille. Int N. Ok? Bien. Donc, là, on a bien. Donc, tout simplement, on a ce que nous avons dit faire. On a besoin de boucle. Boucle, on a besoin de fixer une valeur. Ou boucle l'autre, il va avec toutes les valeurs, tout simplement. Parce que je fais bien, je vais avoir la barre là. Donc, for, première valeur, première boucle, il va être l'intérieur de 1 comme tour. Si je mets par exemple E, il va bien sûr 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à N, la taille. E inférieure à N. Bien. Au fil intérieur de la boucle, on va dire boucle l'autre. Ok? Yani, on se met à des cas bien sûr de for. Bien sûr, on a un contour qui est bien sûr E parce que E c'est un multiple. Donc, on se met par exemple G. Donc, int G. Initialiser dialogue. Attention, on a bien sûr, on a juste min 0, mais on a déjà min E. Ok? Min E ou la E plus à l'hybride. Par exemple, on a déjà min E. Tu as fait? E ou la G plus plus. Tu as fait? Bien. Bien sûr, G inférieur à quoi? À N. Bien.
Après, tout simplement, on va faire le test d'aller. On colle bien sûr F. Là, quand tout simplement T indice E supérieur à T indice G. Donc, tout simplement, c'est dire bien sûr la permutation. Avec CLS, bien sûr, on a l'entier. On fait bien sûr valeur menhado. Mais bien sûr, on dire quoi? On dire la permutation. Ok? Bien. Donc, par exemple, on met C, par exemple, pourquoi pas. Reçoit T indice I. Et bien sûr, tout simplement, on dire T indice I reçoit quoi? T indice G. Point virgule. Et finalement, bien sûr, T, l'indice soit, bien sûr, G, reçoit tout simplement C. Les raisons fait bien sûr la valeur. Les canf TI fait l'aoul, ok? Parce que NFS DERT TI reçoit TC, NL valeur les canf l'aoul, ma pas, ça ferait. Bien, reçoit C, ça y est, tout simplement, c'est l'équipe. Bien. Donc, ça y est, donc, c'est l'équipe. Donc, tout simplement, c'est un wahed de fonction remplissage ou affichage, parce que y a un wahed tableau ou un affiché wahed tableau, ok? Bien. Donc, remplissage, c'est mais bien sûr, ça y est, tu vois, bien sûr. Tu vois, de remplissage. Ok, bien. Donc remplissage. Bien sûr, les paramètres que j'ai les caractéristiques, bien sûr. Le nom de la table, par exemple, fait le délégué comme étoile type. Help, help, un horaire pour qu'il ne pas comme les cas camelines. Tu as fait? Bien. Ou bien sûr, la taille, int n, par exemple. Ok, bien. Après, tout simplement, bien sûr, on a jouer la boucle. Parce que bien sûr, on a tous les éléments de la table. Donc, on a une boucle forte. Parce que, on a fait un peu de bien sûr. Et afficher le nombre des éléments de la table, les n. Donc, int i reçoit 0, i plus plus, incrémentation, et i inférieur strictement à n. Bien. On affiche le message c out. Donc, on peut saisir l'élément. Numéro quoi? Numéro, bien sûr, parce qu'il y en a qui te bêtent le colmara. Et plus 1. Pourquoi et plus 1? Parce qu'il y en a le contour qui peut aller même 0. Ok, mais quand je voulais attendre saisir l'élément numéro 0. Non, mais j'ai, ça ferait bien. Bien sûr, le numéro et plus 1 du tableau. Et c'est. Donc, bien sûr, on raisonne bien sûr une valeur fine T indice I. Bien, ça y est donc à tout simplement l'écrit. Vous laissez crocher. Donc, on a fait un indice, bien sûr, la position de la valeur stable. Ok, bien. Donc, ça y est donc à devoir le remplissage. Donc, on déroule l'affichage catalytique. Bien sûr, un conductive void. Donc, affichage. Affichage. Ok, bien sûr, on a fait un cas, le nom du tableau. Int. T, par exemple, fait les crochets, virgule, int, la taille. Par exemple, n. Bien. Bien sûr, l'affichage, il est simple. On a fait ce que j'ai dit, on a fait le boucle fort. Ok. Bien sûr, on a fait le contour. I, on soit 0. I, plus, plus. I, inférieur, strictement à n. Ok. Bien. Et bien sûr, tout simplement, on a affiché directement, c'est out. Par exemple, on va utiliser directement T indice I. T indice I. Ou bien sûr, on va faire une tabulation ou une espace. Une tabulation, on va faire entre slash T ou tout simplement dire l'espace comme ça. Ok? Bien. Et bien sûr, point virgule. Et bien sûr, face à la boucle. On va bien sûr un retour à la ligne. C out. Retour à la ligne. Une online. Le frais. Bien. Ça y est, donc, on va tout simplement les fonctions qu'on va faire. Bien. Donc, on va déclarer un tableau d'entier. Donc, on a quand même le problème de l'utilisateur. Et attendez tout simplement quoi? Et attendez la taille du tableau. Ok, donc tout simplement dire int, grand n par exemple, point virgule, c'est out. On va utiliser le boucle de while, par exemple, parce que nous avons positif. Donc, on va utiliser le boucle de while. Donc, c'est out. Donnez la taille du tableau. Ok? Bien. Point virgule. CN. Ok? Bien sûr,
on a fait grand N pour vérifier bien sûr la condition du lit on dira while tout simplement la condition il reste qu'on accède équilibré tout ça ferait mais c'est pas ta ou dix neuf la phrase ok bien donc while bien sûr elle a quand tout simplement négatif ok on peut inférieur ou égal à 0 par exemple pourquoi pas parce que par exemple on peut atteindre 0 ou on bien sûr atteindre 0 il est moins il n'y a pas qu'une voie dans le tableau on met ça au point virgule bien. Et après, bien sûr, tout simplement, on va déclarer le tableau. On se met par exemple tableau. On se met comme ça. Ou on se met vers table. Entre les crochets qui écrivent là, la dimension. Point virgule. Bien. Donc, on a tout simplement, quand on a des remplissages, ou par exemple, afficher les cas délicats de tableau, pourquoi pas. Mais tout simplement, là, on a laissé les fonctions. Tout simplement, il sert le lien. Il y a directement on dit remplissage. Okay. Entre les parenthèses, bien sûr, les paramètres, ou les variables, ou ma table, bien sûr, le nom du tableau, virgule, et la taille du tableau, ça, point virgule. Ça, d'abord, d'aller remplir ça, tout simplement. Ou bien sûr, pour une affiche dédicace, l'affichage, tout simplement, engouler, bien sûr, quoi, quand il y a les paramètres, ou les variables, table, virgule, la taille. Dire tableau, ça y est, point virgule. Donc, tout simplement, dès l'exécution du lettre, on chauffe ce qu'on aura dit. Ok? Bien. Je te remets, bien sûr, le remplissage ou l'affichage. Donc, donner la taille, par exemple, la taille 8, pourquoi pas. Donc, par exemple, ici, la taille 9, 5, 2, 3, 4, 6, moins 1, par exemple, 2, etc. Là, tu mets l'affichage, 5, ou la 9, 5, 2, 3, 4, 6, moins 1, 2. Bien. Donc, d'abord, bien sûr, on s'amène la fonction trier. Bien. Donc, trier aide les éléments de la table. Tout simplement, que des cas faciles. Donc, directement, on peut dire trier. La fonction s'appelle directement. Bien sûr, on peut dire le nom du tableau. Il y a une table. Ok. Virgule ou bien sûr la taille du tableau. Tout simplement. Bien. Et on peut bien sûr l'afficher. Par exemple, on peut dire l'affichage, dire si out. On peut dire que l'affichage sera après l'arrangement. Il y a une bête tertile. Ok. Donc, l'affichage. Après. Donc après, quoi? L'arrangement. L'arrangement. OK? Bien. Online. OK? Bien. Donc, on peut bien sûr tout simplement ça met directement la fonction affichage, mais c'est à faciliter bien sûr les éléments après l'arrangement. Ou là, bien sûr, on peut rétablir bien sûr les éléments. Bien, donc, on dit l'exécution. Par exemple, la taille des éléments, ou les 10, la taille ou 10. Par exemple, premier élément, par exemple, 9, 2, 5, 7, moins 1, par exemple, 0, 1, 6, 7, 3, etc. Donc là, on a bien 9, 2, 5, 7, moins 1, 0, 1, 6, 7, 3. Il y a de l'ordre, les a. Okay. Ou bien sûr l'affichage après l'arrangement, tout simplement moins 1, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Bien, donc là, tu m'as dit, bien sûr, on va trier l'IA, bien sûr, de la fonction trier, de trier l'IA, ou de retirer l'IA tableau, bien sûr, les éléments du tableau, l'ordre croissant. Ok, d'ordre croissant. Bien, par exemple, on va dire d'ordre dire croissant. Tout simplement, on va dire la fonction, ou ici, on va dire inférieur strictement. Ok, ça y est, donc on fait strictement d'abord un ordre du croissant. Donc, dès l'exécution. Par exemple, la taille 12. Premier élément, par exemple, 40, par exemple, 50, par exemple, moins 10, 2, 8, 9, 4, 5, 3, 7, par exemple. 8, etc. Donc là, on a 40, 50, moins 10, 2, 8, 9, 4, 5, 3, 7, 7, 8. Ou alors, on a 1.
ou l'affichage après l'arrangement, tout simplement. 50, 40, 9, 8, 8. 7, 7. 5, 4, 3, 2, moins 10. L'autre, elle m'a décroissante. Bien. Donc, ça y est, donc, on a bien sûr l'exercice d'Yann. Que tu me dis qu'on a trois forces, mais je fais tout. Et bon courage!